C'est un ferrage de minable. C'est pas gros. David, 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 je pars pas dans le bon sens. David, c'est pas. Mais ça tire quand même. Alors on va tester le Kevlar. David, non, pas le tronc, pas le tronc. Faut que je le soulève. Il y a le bas de ligne déjà. Ah oui, 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 par là-bas, par là-bas. Ouais, ouais, je le vois. Par contre, il y a les troncs d'arbres de merde. J'arrive pas. Il va aller dans le tronc d'arbre, j'arrive pas. J'arrive pas, je suis pas l'avoir. Il me fatigue pas. Bah David, je peux rien faire là. Oh, des crocs. Bah. Comme ça, je compte 50%. Oh, ça c'est pas terrible. Laisse-le partir au pire. Écarte-toi. Écarte-toi. Voilà, c'est bien. Écarte-toi. Oh putain, c'est gros encore ça. Ah bah t'as compris où il est, hein. Laisse-toi partir en arrière, David. Comme ça, tu vas tenter de le... Et moi, je vais faire du rafut sur l'avant pour voir si je peux le virer. Hein ? J'ai pris dans les branches. Ton bouchon est là. Il est là. Il est comme ça. Attends, attends. Bouge pas. Fais-moi confiance. Par contre, garde bien ta tresse par là-bas. Parce que sinon, tu me décapites. Je fais ce que je peux pour t'aider. Ah ouais, bah j'essaie de t'aider, hein. J'essaie de te les... Là, il y en a encore une, attends. Laisse-moi juste 2 secondes. Oh, vas-y, recule, c'est bon, il part, c'est bon. Vas-y, tire. Oh putain. Mais je suis dans les touffes, à la même air. Mais va pas par là! Tiens, je te le pousse! Attends, j'ai une idée! Attends, non, déconne pas! Non, bah je t'aide, regarde! Hey, dis-moi merci là, tiens! T'as vu comment il s'est déporté? Oh, tu m'emmerdes, tiens! Silure de Loire, hein! Putain, mais ils veulent ce putain de tronc, hein! Oh là là! Non, mais c'est pas grave, là, j'ai enlevé la. Oh putain, c'est la branche de merde! Il va pas la passer cette branche. Force pas comme moi j'ai fait parce que je pense que sinon t'as compris la sentence. Putain, c'est des Golgoth. Hein. C'est pas des petits. Hein. Oh, je pense qu'il faut le sieur de Loire, faut le laisser, faut attendre qu'il se fatigue tout seul et je pense qu'après il va reculer, comme quand je faisais quand j'étais plus jeune. Il va reculer un moment parce qu'il va en avoir marre de la pression. Voilà. Tu peux pas reculer là. Sinon, il faudrait que je te tracte. Oh, le poids dans la main. J'essaie d'éviter que tu ailles frotter dans le bordel là. Avec mon kayak, devrait lui faire peur. Voilà. Oh, putain, les coups. Oh, les coups qu'il te met. Deux silures. Il passe sous le... Je vais essayer de t'aider. On fait barrage de toute façon. Putain. C'est pas possible, hein. Il veut y aller dans celui-là. Hein. C'est con parce que là, il repart en arrière. C'est pas grave, là, l'avantage, tu vois, c'est que tu le fatigues. C'est que j'essaie en fait de former un V pour essayer de bloquer un peu. Par contre, c'est
Ah bah oui, bah je te dis, t'as vu les tailles qu'ils avaient en dessous. Je te dis, hein, là il y a du client. Hein. Oh putain, 2 mètres. 2 mètres. Lève là ton 2 mètres, David. Il est là. Ah hein. Oh, la tête. Putain, j'ai pété toutes les branches. J'ai quand même fait du bon ménage, hein. Parce que là, il reste juste un bout de branchage et franchement, ça va aller. Bon, déjà, mes nœuds, ils ont l'air un peu costauds. Ouais, contrairement à moi. Oh là là, faux. Putain, la patate, ça n'a rien à voir avec le cher. Hein. Oh là 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 là, la force. Est-ce qu'il va tenter? T'as des branches de merde là aussi, hein. Allez! Allez! J'essaie de te donner de l'élan en arrière là, pour que tu partes un peu en arrière. C'est costaud les montages à David, hein. Faudra que tu m'expliques tes nœuds. Non mais faudra que tu m'expliques, je pense tes nœuds un peu parce que... Tiens, on va l'emmener là-bas. Ouais, bah, tu m'étonnes. Là déjà il prend le large, donc tu vois déjà je pense que t'es presque sauvé. Non non. Oh, enculé la masse. Oh là là. Oh là 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 là. Oh la masse. Oh la masse. Oh le 2-15. Vous. Oh putain. Tu filmes juste. Ah bah. Je vais essayer de t'amener au loin. Tu sais si on peut aller sur le banc de sable après. Putain mais c'est qui tire là hein. Make up. C'est bon. Parce que là il est emmerdé avec nos deux kayaks et ça fait double poids. Ah. Elle est bien là. Elle est pas bien là. Hey yo. Oh petit sieur de Loire, bon moi j'ai pété le mien, mais bon David nous rattrape le système, regarde si on est pour bien là. On l'emmène au large hein, à tout de suite. Elle est beau hein. Très beau. Oh il fait deux, il fait deux. Oh oui, largement, regarde la mâchoire. Ouais, pas de risque. Il n'y a pas de risque qu'il se décroche déjà. Il faut c'est se traîner. Je m'éloigne. Faut que j'essaie de te prendre et de t'amener sur le banc de sable. Une fois qu'il sera bien crevé. Oh il fait 2-15 de 20, putain. Comme ça, hein. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Gourmand. Je vais prendre de l'élan et je vais t'attraper par derrière. 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 On dit merci qui. Merci David Michel. Déjà, on a dépassé le 10. Ouais, voilà, c'est bon, c'est gagné. Voilà, il faut qu'il traîne les deux kayaks là, donc ça va être compliqué. Hein. Ça va être gagné. Voilà. Tu peux aller te le faire là. Oui, bah oui, tu m'en veux. Ouais, pour le service rendu aussi. Hein.
mâchoire qu'il a. Ah mais il a une putain de gueule. Ils ont, je t'avais dit, ils ont des têtes. Celui-là, je vais le prendre à deux mains, celui-là. Oh la vache, la largeur. Oh, putain. Oh le machin. Ça te brasse bien le kayak, hein. Ah bah là, ouais. Oh là là, il a... Regarde la largeur des pectorales. Ouais, plus grosses, elles sont plus musclées que ceux du Cher. À taille égale. Coucou. Au revoir, Jojo. Voilà, voilà. David, à toi de jouer. Bah écoutez, ce soir on a décidé d'adopter une stratégie. Ça ne s'avérait pas payant. On a décidé de faire une reconnaissance du poste, puisqu'en fait il est assez large, ce poste. Et puis bah, on a vu quelques poissons stationnés. On s'est dit bah, pourquoi pas. On a décalé nos montages et puis bah, ça a payé. 10 minutes pour Jordi, 20 pour moi. Voilà. Bon, moi j'ai pété mon glane. Malheureusement, j'ai ma tresse Kevlar qui a pété au niveau de l'hameçon simple. Et après, David touche un silure similaire et là, heureusement, à deux, on a pu le sortir. Ça n'a pas été facile parce qu'il se calait dans les branches d'arbres. Donc, on a dû un peu faire le bûcheron pour casser les branches. Et au final, un beau 2m22, magnifique. Voilà, de Loire, superbe. Superbe poisson. Il est déjà reparti. En général, les caresses il au départ. Il a des tout petits yeux, mais par contre, c'est bizarre. D'habitude, j'en vois qu'on a des yeux plus gros que ça. Ouais. T'as vu les yeux qu'il a ? Ouais. En général, au départ, ils ont tendance à pas aimer les caresses, mais si vous les maintenez un tout petit peu, ils restent en place et ils se laissent caresser. Voilà. Merci. Merci pour ça. Oh là, il est bien vert.